Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Mic Armement pour une nouvelle vidéo sur une carabine à plomb. Aujourd'hui, je vais vous présenter la TG1 de chez Swiss Arms. Donc, c'est une carabine qui est en calibre 5.5. Alors, elle existe aussi en calibre 4.5. Là, aujourd'hui, on est sur du 5.5 en 20 joules. C'est la puissance maximale autorisée dans la catégorie D en air comprimé ou que ce soit en PCP. C'est une arme qui a un look plutôt atypique. Elle est en couleur tan, elle existe aussi en noir, que ce soit dans le calibre 4.5 ou 5.5. Et je vais utiliser des plombs. Alors là, je viens de la régler, elle est sur le chevalet. Je vais vous la montrer en détail et je vais vous faire un petit peu le détailing de l'arme que je trouve plutôt sympathique. C'est un petit peu un coup de cœur puisqu'elle tape très fort. Je voudrais répondre d'abord à une ou deux questions qu'on m'a posées dans les commentaires de la carabine précédente, donc la TAC-1 et pas la TG-1, par rapport au dieseling. Alors moi, c'est une carabine avec laquelle j'ai beaucoup tiré, donc je n'ai plus l'effet dieseling. Mais à la prochaine vidéo, je veux bien vous en parler du dieseling où j'en consacrerai une vidéo directement pour expliquer ce qu'est le dieseling en fait. Voilà, c'est cette espèce de phénomène qu'il y a avec la lubrification d'une arme quand on la reçoit quand elle est neuve ou le fait de balancer un petit peu d'huile dans le canon pour accélérer en fait et produire une explosion avec le frottement du plomb dans le canon. Alors c'est pas bon du tout de le faire, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas bon de le faire et pourquoi ça abîme l'arme, en tout cas ça encrasse le canon. Je vous expliquerai pourquoi lors de cette prochaine vidéo. Là, elle est sur le chevalet, elle est réglée, ensuite j'enlèverai le chevalet et puis on fera comme pour l'autre carabine un petit peu de plinking, la casserole rouge, la barre en métal que j'ai changée qui est plus fine, donc plus gros défi surtout sur du 5.5. Alors, faut savoir quelle est la différence entre le 5.5 et le 4.5, bah, c'est la taille du calibre qui est plus grosse. On a un impact plus fort mais une vélocité moindre, moins de vitesse pour la même puissance. Voilà. Mais ça tape déjà très très fort, attention hein. Quand on va utiliser ce genre de munitions, ces espèces de petits pellettes là, je ne sais pas si on peut bien le voir, ça va taper fort. Bref, et là c'est pas du plomb. Donc on a la casserole inox qu'il faut percer, une petite plaque, les plinking et puis des cibles pour la précision. Voilà. Alors on a une carabine couleur tan fabriquée par Swiss Arms. On a une lunette dessus en 4x40. Vous avez ici la possibilité de régler le zoom. Alors selon l'œil, selon les personnes, ça va être différent. Vous allez plus ou moins le reculer ou l'avancer pour zoomer ou reculer un petit peu, c'est selon le confort de la vue des gens. J'ai retiré les bouchons comme sur l'autre pour pouvoir faire mes réglages, d'accord. Donc il y a des bouchons fournis. L'avantage par rapport à la TAC-1, c'est qu'ici pas besoin de tournevis, on règle ça au doigt. La lunette est plutôt sympathique, elle est bien serrée, j'ai vérifié avant de faire mes réglages. Alors vraiment elle a un look atypique, hein. Je voudrais vous la montrer quand même de plus loin. Elle a cette dégaine un petit peu futuriste qui sortirait d'un film de science-fiction. Alors je sais que ce n'est pas des carabines qui sortent juste, hein, qui ont déjà plusieurs années. Mais je tenais à vous les présenter, comme ma chaîne est récente, je suis obligé d'en passer par là pour vous donner mon avis sur ces carabines-là, voir si ce sont des bonnes carabines de tir de loisir ou si on peut carrément aller au tir sportif avec. Pourquoi pas, puisqu'on pourrait être surpris, malgré le budget moindre de ces carabines-là. Là, on est sur un truc qui coûte 160 euros, peut-être 150, je ne sais pas exactement. Mais c'est quand même très abordable pour du 5.5, surtout en 20 joules. Voilà. Donc au niveau définition, on est plutôt bien. C'est du plastique, hein. Alors de bonne qualité quand même, ça ne va pas vous péter dans les pattes. On a pareil un cran de sûreté qui se met manuellement et non pas automatiquement avec l'armement. On est sur un break barrel, donc cassage de canon. Ça veut dire qu'on vient casser le canon pour pouvoir armer piston et ressort, qu'il puisse venir charger l'air et qu'il y ait la propulsion qui se fasse ensuite. C'est ce qu'on appelle le break barrel tout simplement. Et ici vous avez un réglage de crosse possible. Donc vous venez desserrer ici, vous montez ou descendez selon votre besoin. Vous venez desserrer, vous venez descendre ou monter. Après, selon les réglages que vous souhaitez faire, hein, vous faites comme vous voulez. Et ici, au niveau du repose-joue, c'est pareil, c'est réglable. Donc petite molette ici,
Vous pouvez ou venir le descendre, le monter ou le descendre selon vos besoins. Voilà. Donc moi je vais le monter un petit peu. Voilà. Donc serrez bien quand même parce que ça risque de tanguer un peu. C'est une carabine qui tape plutôt fort. Au niveau de la queue de détente, on n'a pas le problème de la Takuan. Elle a pas de point dur en fait, donc c'est très doux. D'ailleurs, ça peut même surprendre. Ça peut surprendre au niveau du départ du plomb. Voilà. Donc je vous la montre encore un petit peu. Désolé, je suis tout seul pour cette vidéo. Je vais brancher la GoPro et on va se faire un petit programme comme l'autre jour. Donc un peu de plinking, un peu de... Voilà, donc les plombs utilisés sont les Power plats en 0,83 g. Les pénétrators, ouais, je sais, vous allez vous marrer, mais par contre ils font très très bobo. Et c'est pas du plomb, c'est du lead free. C'est marqué derrière, lead free. Donc sans plomb. Et là, c'est du diesel. Non, je déconne, c'est du plomb, mais en gros calibre. Voilà. Donc pour vous donner la différence, hein, vraiment des tailles, là vous avez du 4,5 et là vous avez du 5,5. Là vous avez du 4,5 et là vous avez du 5,5. Et là vous avez le pellets. Bon allez, séance de plinking. La GoPro elle tourne. On va prendre les Crossman. On va voir si on peut faire comme hier. Let's go. Ding. Ok. Premier touché. Alors ça risque de taper un peu plus fort qu'hier quand même parce qu'on est sur un calibre au-dessus. Ok, pas mal, ça tape dur. Hein. Alors le 4-5 va être plus pénétrant, mais celui-ci va être plus impactant. Vache, ça cogne. Je peux essayer de voir la casserole avec les pellets. Si t'en penses, non? Là, on l'a accroché. Allez, comme hier. On les accroche tous. Let's go! Bien réglé, hein, ça va bien. Très douce la détente. Ah, je vais faire tomber l'autre à côté. À tous les coups, hein. On va essayer de les raccrocher. Raccrocher. En fait, faut vraiment taper le bas du gong pour le faire monter en fait avec la vitesse. Allez, mon petit père, toi tu vas monter. J'ai fait monter. Et c'est quoi? C'est un casse-tête? C'est quoi? C'est un sudoku? Hein, les gars? Oh, à un moment donné. Voilà, le deuxième. Attends, c'est eux qui vont nous faire chier, non? Elle est très très bien réglée, par contre. Oh la vache. Je rate aucun là. Et voilà, il nous en manque un. Ah, ce qu'il va nous faire comme hier, il va se mettre en vrac. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, toi qui me regardes là? Ah, il m'a refaire tomber l'autre là. C'est vraiment un jeu de con. Hein. On va pas y passer la boîte. Allez, let's go. Hop là. Oh, j'ai loupé là. Merde. Un petit peu trop gourmand, Mika. J'ai contrevisé, pourquoi? Je sais pas. Voilà. Le dernier est accroché. Donc maintenant, on va les décrocher. Ah ben, t'as mal. Oh. Allez. Pas le bout du monde. On fait tomber tout de suite. Et on passe à autre chose. Let's go. Bon, alors on est parti sur du pellet. On va voir si la casserole aime ou pas le pellet. Ouh la vache, je crois qu'elle aime pas le pellet. Faut savoir que là tu commences à passer sur du gros. Hein. Ça tape très très fort. Ouh là là là, les impacts.
J'espère que la GoPro va pas prendre un retour. Parce que là, je crois que si elle prend un retour, elle va pas aimer. Hein. Un peu plus de puissance pour recharger quand même. Allez, on part un petit peu. La question c'est, est-ce que ça perce? Je ne sais pas en fait. J'ai mal à voir d'ici si ça perce, on verra le rendu sur la vidéo, encore une fois. Allez, on part sur la barre blanche. Alors la casserole a pris tarif, hein. C'est impressionnant. Je vais pas en prendre un machin. C'est vraiment des balles, là on peut dire que c'est létal. Hein. Franchement, là j'ai le soleil dans la gueule, je vois rien. Allez, petite babarre. Let's go. Putain, je l'ai frôlé quoi, je crois. Bon, la barre blanche a été transpercée, énervée. Allez, c'est reparti. Ah, j'ai un beau soleil là, ça fait plaisir, hein, franchement. Allez, deuxième shoot. Deuxième shoot, il est tombé encore, quoi. Sérieux ou pas lui? Pire que ça, quoi. Bon, allez, j'ai mis 1,5 mm d'alu à 20 mètres. 1,5 mm, 3 plaques de 0,5. On va essayer de taper dedans, voir. Bon, la plaque, la barre, elle a été perforée, c'est sûr. C'est pas un problème. Let's go. Il y a la GoPro à côté. Oh la vache, 1,5 d'alu, y'a rien à foutre le truc. Oh merde. Allez. Oh, j'ai tapé un peu bas là. C'est pas grave. Ça perce. Oh la vache, c'est un truc de dingue. Ça l'arrête pas, hein. J'ai explosé quoi. Attends, t'imagines toi dans un corps humain ça? Bon allez, on passe à la casserole et puis bon, on finira là-dessus. Bah, très bien cette petite TG1 là, tape fort. Hein. Impressionnant quoi. Enfin, j'ai rien percé la casserole. Bien sûr, encore une fois, je vous mettrai tous les liens en description. Et pense à t'abonner. Hein. Ok. Oh putain de merde, je crois que ça passe. T'as les codes réduction dans la description aussi. C'est un truc qui s'est barré de la casserole en fait, je crois. Ça tape un peu plus fort quand même. Hein. Ah, pas se mentir que c'est violent.
merde alors. Oh, c'est impressionnant. Quelle est cette sorcellerie en fait? On va essayer de taper en bas. Ah ouais, putain, j'ai pas de cadeau. Ding dang dong. En haut. Putain, c'est un truc de fou en fait. C'est vraiment beaucoup plus puissant. Hein. Je sais même pas si encore ça passerait dans la casserole. Bon, ma conclusion, très très bonne carabine, ça tape très très fort. Hein. Il y a qu'à voir la gueule des cibles. Hein. 1,5 mm d'alu à 20 mètres, ça passe sans problème. La casserole en inox, c'est percé. Il y a même un bouquet tombé, je sais même pas ce que c'était. L'autre casserole, percée. Les gongs, violentés. Ouais, 5-5, hein, voilà, je valide. Très précise d'ailleurs, très 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 précise. La barre de fer transpercée également. On va faire un tour des dégâts là. Bon là, autant te dire que la casserole, elle a ramassé dur. Hein. Donc là, là. Bon, à chaque impact, en fait, c'est passé. Hein. Là. Ok, donc elle, c'est réglé. Plus de problème, c'est réglé, ok. Ensuite, les trois plaques en alu. J'ai vu qu'il y en avait une qui était tombée. Entre temps, il y a juste un trou de fait avec deux plaques. Mais autrement, bah, ça passe. Hein. Trois plaques d'alu avec le film en plus. Une belle épaisseur. À 20 mètres, éclatée. Ok. Je te raconte pas la gueule du porte-cible à l'intérieur. Je crois qu'il a pas envie d'en prendre d'autres. Voilà. Terminé. Donc, ok pour les plaques. Et la fameuse casserole. Oh la vache. Regarde-moi ça. Hey. Putain. Regarde, c'est passé là. Là, c'est passé. Et regarde l'épaisseur du truc. Et sans déconner, c'est sérieux ou pas? Impressionnant quoi. Alors celui-là il n'est pas passé, le premier shoot là. Et après c'est passé direct. Et la casserole après, bah là, frime plus quoi. Ben, voilà, c'est, voilà l'inox. Hein. Putain. Oh, ces espèces de pocs que ça lui fait. Merde, impressionnant. Voilà, voilà, je pense que ça parle tout seul. Hein. Qu'est-ce que je te dise moi? Là. Conclusion, c'est de la bombe. Abonne-toi, laisse un petit pouce, toujours plaisir. Tous les liens sont en description ainsi que les codes réduction. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. TG1, Swiss Arm, 19,9 joules, 20 mètres, destruction totale. Tchuss.